L'islam est une religion de barbares, de sauvages, qui appelle à faire couler le sang, qui est misogyne et qui est injuste. Voilà les types d'arguments que l'on peut entendre de ceux qui se sont basés sur BFM TV afin de se faire une opinion sur l'islam. Or que nous, musulmans, nous trouvons dans le Coran les paroles d'Allah Azza wa Jal nous appelant à l'équité, à la justice, à la bienfaisance, ainsi de suite. Par exemple, notre Seigneur nous dit « Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun » Et nous trouvons aussi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Comment après cela, certains oseraient accuser notre noble religion d'être une religion de barbares et de sauvages. Ainsi, je t'invite, ô toi qui désires critiquer l'islam, ou toi qui désires connaître l'islam, je t'invite à lire le Coran. Je t'invite à t'intéresser à la biographie de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, tu pourras prendre une décision t'appartenant. Mais cette décision-là sera basée sur l'équité et la justesse. La même équité et la même justesse que notre Seigneur nous appelle à observer.